coquin. Et c'est ça. La mangrove est un écosystème forestier qui se développe les pieds dans l'eau. Elle est présente sur 75% des littoraux tropicaux, ce qui représente environ 150 000 à 200 000 km². Elle a à la fois un rôle écologique, sociologique, mais également économique. Elle est source de nourriture pour les populations vivant sur le littoral. Elle protège les côtes de l'érosion. Et elle est également source de nourriture pour les eaux côtières, ce qui permet aux eaux côtières d'être riches en poissons et en crevettes. Malheureusement, il s'agit d'un écosystème menacé, puisqu'elle disparaît à un taux de 1 à 2% par an, et ceci du fait de la croissance démographique le long des littoraux tropicaux. Cette croissance démographique induit le développement d'une urbanisation, la prospection et l'exploitation des ressources naturelles qui engendrent cette disparition de l'écosystème. Un survol de la côte ouest de la Nouvelle-Calédonie nous permet de découvrir un espace, ni tout à fait la terre, ni tout à fait la mer, un espace intermédiaire, la mangrove. D'un abord parfois difficile, ce milieu est composé d'espèces végétales adaptées à la salinité de l'eau, au cycle des marées et au sol mouvant. Végétation dominante, les palétuviers sont le résultat d'innovations et d'adaptations remarquables. L'écosystème mangrove est un écosystème zoné. Différents biotopes se partagent l'espace. Les terrains sursalés derrière mangrove, appelés les tanes, sont soit nus, soit recouverts de salicornes. Sur des surfaces un peu plus souvent atteintes par les marées hautes, des palétuviers de taille moyenne se développent. Ce sont les Avicennia. Enfin, des palétuviers de grande taille, aux racines aériennes, les rhizophora, ne se développent qu'en bordure de mer ou de rivière, car ils ne supportent pas les environnements trop salés. Longtemps peu considéré et méconnu, cet écosystème est l'objet de recherches scientifiques en Nouvelle-Calédonie, dans un contexte de changement climatique et de développement qui se veulent plus durables. Voilà, nous sommes ici dans la mangrove proche de la ferme aquacole appelée FAO. Nous menons sur cette mangrove une étude sur les relations entre le rejet des effluents de la ferme et la dynamique de la mangrove et les processus géochimiques au sein de la mangrove. En Nouvelle-Calédonie, il existe actuellement 19 fermes, toutes réparties sur la côte ouest. Et il faut savoir que 80% du littoral ouest est également colonisé par la mangrove. À l'opposé de certains pays comme en Asie du Sud-Est, les fermes aquacoles ne sont pas construites sur la mangrove, mais sur le tarn, qui est la zone d'arrière-mangrove, qui est une zone sursalée où la végétation ne peut pas pousser. Le paramètre principal pour un élevage à crevettes, c'est la quantité d'oxygène qu'il y a dans la colonne d'eau. Pour avoir une bonne teneur en oxygène dans la colonne d'eau, il faut un renouvellement en eau qui soit important. Donc pour effectuer ce renouvellement en eau, les fermiers pompent l'eau dans le lagon et rejette directement cette eau dans la mangrove. Donc il considère que la mangrove a un rôle de filtre vis-à-vis des effluents avant que ces eaux ne rentrent directement dans le lagon. Cependant, peu de gens se sont attachés à étudier l'effet de ces effluents sur la mangrove. Donc nous, notre étude s'intéresse principalement à la façon dont ces effluents qui sont enrichis en particules et en matière organique, en carbone, en azote et en phosphore, vont être recyclés au sein des sédiments de mangrove. Un suivi bimestriel des eaux et des sédiments est effectué par Jonathan Debord, post-doctorant, et Nathalie Molnar, doctorante, sur le site de la ferme aquacole de la Wengi. Des échantillonnages de crustacés, de mollusques et de végétaux seront aussi effectués pour déterminer comment la matière organique de ces effluents entre dans le réseau trophique, c'est-à-dire dans la chaîne alimentaire de l'écosystème mangrove. Au cours des différentes saisons, une cartographie de la qualité des sédiments de surface est également réalisée. L'objectif est de suivre les effluents, c'est-à-dire de trouver leur signature au niveau moléculaire et isotopique, afin de comprendre leur évolution dans le temps et dans l'espace. La capacité réelle de la mangrove à filtrer ces effluents sera alors déterminée.
Alors là, il vous faut combien de centimètres? 50. Au minimum 50, donc nous on essaie d'avoir 60. On va faire les analyses en fait juste sur 50 cm. Mais pour être large et pour protéger le bas de la carotte pour les contaminations, on prend plus 60 cm. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rapidement emballer, le protéger de l'air en fait, en emballant dans un film plastique. Jusqu'à ce qu'on arrive au labo et qu'on commence les analyses. Donc ensuite, par-dessus, on va mettre du film aluminium pour limiter la photo-oxydation. Les premières analyses se font dans un laboratoire mis à disposition par l'IFREMER, installé à proximité de la ferme aquacole. Donc, après prélèvement de cette carotte dans la zone Avicennia d'une des deux mangroves, Nathalie a calibré les sondes. Et maintenant, on est en train de mesurer, donc à l'aide de ces sondes, les paramètres physico-chimiques de l'eau interstitielle, à savoir le potentiel redox, le pH et la concentration en sulfure libre. Une fois que cette étape est terminée, on va commencer à découper la carotte en partant du sommet de la carotte jusqu'au bas de la carotte, jusqu'à 50 cm de profondeur, par pas de 5 cm. Et on va isoler donc chaque pas de 5 cm de sédiments dans un sachet stérile. Et à l'aide donc d'un rhizome, c'est-à-dire une seringue en dépression qui est reliée à une membrane poreuse que l'on introduit dans le sédiment, on va extraire les eaux interstitielles de ce pas de sédiment pour de futures analyses physico-chimiques au laboratoire. Ces prélèvements vont être ensuite analysés au centre IRD de Nouméa pour caractériser la composition des eaux. Quant aux échantillons de sédiments, Nathalie les étudiera par la suite au Muséum national d'histoire naturelle de Paris. Quelques mois plus tard, fin 2011, nous retrouvons Cyril et le gérant de la ferme aquacole de la Wengi. Donc au Vietnam, maintenant ils ont conscience que la mangrove c'est important. Et ils veulent en replanter, ils veulent l'étudier. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore conscience de l'importance de l'environnement. Pour eux, l'environnement, c'est la ressource, si tu veux. La ressource, c'est la pêche, tout ça. C'est parce qu'ils sont très nombreux, donc il faut à manger pour tout le monde. Voilà. Donc eux, ils voient la mer, ils voient la mangrove comme une ressource et c'est fait pour être exploité. Ils ne voient pas le rôle écologique de la mangrove, voilà, justement, filtration, nursery, etc. Et c'est aussi pour ça que quand ils ont commencé à faire de l'aquaculture, il y a une trentaine d'années, ils se disaient, la mangrove, ça ne sert à rien. On va raser la mangrove et puis vu qu'on a besoin d'eau de mer, on va faire les bassins. On a besoin de place, sur le littoral. Voilà. Ouais. Donc on va faire les bassins aquacoles à la place de la mangrove. Alors, mais ce qui n'a pas été le cas ici. Calédonie. Voilà. Non. Ici, nous, on privilégie. C'est simple, ce bassin-là, c'était un coin plateau. On a juste fait des digues, on a juste fermé le plateau. Le sol, on l'a pratiquement pas comment touché. Donc on a vraiment respecté la mangrove. On a été jusqu'à la lisière, juste à la limite de la mangrove. On l'a touché quasiment pas. Ouais, parce que c'est une belle mangrove, mangrove. Ouais. Et elle s'est développée aussi. Hein. Oui, tu avais vu depuis l'installation de la ferme, tu as vu que les... Ah oui, ouais. Elle a bien poussé. Ouais. Vous allez voir après avec des photos qui datent de 2000, la comment différence, c'est incroyable quoi. S'il y a pas... Donc c'est en lien direct avec le rejet des effluents, comme ça les effluents ils profitent aux palétuviers. Ouais, aux palétuviers, ouais. Et alors l'idée d'avoir fait un chenal jusqu'aux grands arbres, c'est exactement ce qu'il faut faire, que Nathalie va recommander dans une de ses conclusions.
parce que en fait, les grands arbres, il y a de l'eau de la mer qui vient à chaque marée, donc ça permet de diluer les effluents. Et puis, oui, ils ont une capacité d'assimilation plus importante que les petits arbres. Donc en fait, toute la matière organique qui est rejetée, elle est absorbée par les palétuviers. Voilà, il n'y en a presque pas qui s'accumulent dans les sédiments. Parce que dans la zone derrière mangrove, en fait, il n'y a pas assez de dilution par la marée, parce qu'elle ne vient pas tout le temps très haut. Tous les 15 jours, voilà. Et puis les arbres, ils sont plus petits et plus éparses. Et alors, ce que Nathalie, elle a observé, c'est qu'il y avait plus de lumière qui venait sur le sol. Et avec la matière organique des effluents, ça fait un développement d'algues. Parce que les algues, elles peuvent se développer avec la matière organique des effluents et avec la lumière. Avec la lumière Alors que dans les grands arbres, la densité, elle est telle que c'est sombre. Et du coup, les algues, elles ne se développent pas. Yes. Voilà, donc c'est tout bénéfice, en fait. Tout bénéfice de rejeter dans les grands palétuviers, parce qu'il y a quand même une grande zone de mangrove qui peut traiter les effluents. Les palétuviers, ils absorbent, et il n'y a pas ce développement d'algues qui pourrait y avoir en sortie de mangrove. Une menace pèse régulièrement sur la mangrove et sur cette activité. Lors du passage de tempêtes tropicales, d'orages ou de cyclones, lorsque des pluies intenses lessivent les sols dénudés d'anciens terrains miniers. En effet, la Nouvelle-Calédonie, troisième producteur mondial de nickel, connaît une activité minière particulièrement intensive depuis la fin du 19e siècle. Quand il y a les fortes pluies, les terrains miniers ils sont érodés. Et donc les terres rouges elles arrivent sur le littoral. Alors quand il y a de la mangrove, les terres rouges elles se déposent sur le littoral. Et on se demande si ça a un impact sur la mangrove ou pas. Et puis quand il n'y a pas de mangrove, les terres rouges elles arrivent jusqu'à l'eau du lagon. J'ai une grosse crainte. Quand je vois cette eau rouge arriver, surtout quand il y a un vent fort avec des coefficients de marée assez bas, là, c'est là que je vois toute la baie, elle est rouge, et nous, on est comme obligé de pomper cette eau. On ne peut pas faire autrement, quoi. Donc je le vois bien au niveau de mes filtres. Mes filtres, ils sont rouges, quoi. Ils sont pas couleur terre, ils sont rouges. Ça me fait peur, sincèrement, ça me fait peur, parce que quand je trouve des coquilles d'araignées qui datent de 200 ans, 300 ans, des coquilles de porte-mante, et que maintenant, tous ces coquillages, on ne les retrouve plus ici, on les retrouve carrément dans l'eau propre. Donc, je me dis qu'il y a 200 ans en arrière, ici c'était vraiment comme le récif avec tous ces coquillages, quoi. Ça me fait peur. Sincèrement, quand je vois, même nous, hein, quand on lève les filtres, on est rouge, quoi. Hein. On est rouge, hein. Ça c'est... Quel est l'impact des sédiments provenant des terrains miniers sur les mangroves du littoral de Nouvelle-Calédonie? Dans quelle mesure les métaux lourds contenus dans ces sédiments sont-ils piégés par les mangroves? Pour répondre à ces questions, avec le soutien du Centre national de recherche technologique sur le nickel et son environnement et de l'entreprise minière KNS, un programme de recherche est en cours, près d'une mangrove mondialement connue, à côté de la future usine de nickel de la province Nord, actuellement en construction. Tu sais que la Nouvelle-Calédonie est riche de ses mines, mais elle est aussi riche de sa biodiversité. Et parmi les différents écosystèmes qui composent cette biodiversité en Nouvelle-Calédonie, il y a la mangrove. Pour les gens qui vivent comme toi depuis toujours proche de la mangrove, qu'est-ce que cet écosystème représente ? Et tu sais, la mangrove, à Vaud particulièrement, on sait que Vaud est un gros producteur, certainement le plus gros producteur de crabes, 100 tonnes par an. Sur le plan économique, c'est un milieu qui est très prisé, très recherché, où il y a beaucoup de poissons. Les gens, depuis la nuit des temps, ont vécu autour de la mangrove, ont vécu des produits de la mangrove. Et alors, comment est-ce que vous avez vécu l'histoire de la mine en relation justement avec cette biodiversité? Comment ça se passe maintenant? On est justement ici sur une zone nue qui a reçu beaucoup de terre rouge de la part d'une ancienne mine. C'est un exemple flagrant. On s'aperçoit que les palétuviers ont été étouffés par la sédimentation de l'exploitation minière, malgré que cette exploitation s'est faite à la main. On a quand même manipulé pas mal de matériaux, de sédiments, et on s'aperçoit aujourd'hui de l'impact avec les palétuviers qui sont crevés autour de nous.
puisqu'on travaille avec les industriels pour essayer de comprendre comment les métaux qui descendent de la mine sont transformés dans la mangrove, comment ils sont recyclés dans la mangrove. Est-ce que la mangrove stocke ces métaux, le nickel, le chrome? Est-ce qu'il y a un transfert vers les palétuviers ou vers les crabes, etc.? Voilà, tout à fait. Donc l'industriel est d'accord pour travailler avec nous? Oui, c'est tout à fait ça. On s'aperçoit que cette sédimentation est chargée de métaux lourds, certainement avec un impact. Je ne suis pas scientifique, mais on en a conscience. Nous qui sommes chargés de la protection de l'environnement dans le cadre du projet, de la surveillance des applications de protection environnementale, nous suivons avec intérêt les applications sur le massif et particulièrement la gestion des eaux, parce qu'on sait pertinemment que ce sont les eaux qui transportent les sédiments, ce qu'on appelle les fines ou les matières en suspension. Et ce sont ces matières en suspension qui se déposent un peu partout dans la mangrove, mais également dans le lagon, sur les herbiers ou sur le récif, et qui étouffent en fait les milieux naturels. Et là, le projet industriel Cognombo a mis en place, en œuvre, tout un programme de contrôle des eaux pluviales, avec la mise en place de décompteurs, mais également de bassins de sédimentation. Donc tous ces systèmes de gestion des eaux sur mine dont tu parles, ils n'existaient pas avant. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des mangroves qui sont rouges sur le territoire. Pour assurer un suivi d'une mangrove susceptible d'être impactée par l'activité minière, un réseau d'instruments a été mis en place. Nous développons des méthodes de suivi de la mangrove en contexte minier avec deux approches. Une approche de mesure physique in situ. Voilà, connecté. Nous mesurons la durée d'immersion de chaque zone de mangrove et le taux de sédimentation, et une approche par télédétection. Nous avons choisi cette mangrove en fond de baie de Vavuto parce qu'elle est potentiellement impactable par l'exploitation qui va se faire sur le massif du Cognombo qui est derrière moi. Et nous allons faire une étude comparative, un état zéro des lieux sur cette mangrove. Nous allons comparer avec une mangrove qui se situe en aval d'une vieille mine qui a été exploitée au milieu du XXe siècle, et une mine pour laquelle il n'y avait pas de moyen de rétention des sédiments sur le massif. 9 stations, développées en partenariat avec l'Université de la Nouvelle-Calédonie, sont réparties en limite des différentes zones de la mangrove. À partir d'une technologie à ultrasons, elles mesurent la hauteur sous l'instrument. Les informations qu'elles enregistrent permettront de connaître soit la hauteur d'eau qui fluctue avec le cycle des marées, soit le taux de sédimentation qui représente la quantité de sédiments qui se dépose ou qui est emporté. Ces instruments in situ, combinés avec l'analyse d'images satellites traitées par la société Blue Sham, installée à la pépinière d'entreprise de l'IRD Nouméa, sont un dispositif qui doit permettre un suivi de l'écosystème mangrove en milieu minier. Mais la mangrove ne se comporte pas seulement comme un filtre pour les eaux et les sédiments. La mangrove a aussi la capacité à purifier l'atmosphère en fixant le CO2 par le processus de photosynthèse. Du CO2 que les centrales thermiques, qui produisent l'énergie nécessaire aux usines de nickel, génèrent en abondance. La communauté scientifique se mobilise pour connaître dans quelle proportion les écosystèmes sont des sources ou des puits de dioxyde de carbone atmosphérique. La mangrove est l'écosystème terrestre produisant le plus de biomasse avec la forêt tropicale primaire. Cependant, sa capacité à stocker du carbone dans son sol est plus importante du fait qu'il soit gorgé d'eau. Si la productivité des mangroves est bien connue, il reste encore à mieux comprendre le devenir de la matière organique produite. Celle-ci va être exportée partiellement vers les eaux côtières, ce qui les rend riches en poissons et en crevettes. Pour le reste, elle va être stockée dans le sol et se décomposer en produisant du CO2. Des travaux sont menés pour mieux quantifier cette dernière partie afin d'améliorer les connaissances sur la dynamique du carbone dans ce milieu. Ainsi, Audrey Léopold, doctorante à l'Université de Nouvelle-Calédonie sous co-tutelle IRD, quantifie les flux de CO2 à différentes interfaces de son écosystème préféré. Ce matin-là, dans la mangrove de La Foa, située sur la côte ouest de la Nouvelle-Calédonie, Marine Michel, stagiaire de Master 2, l'accompagne dans une zone de rhizophora, des palétuviers aux racines aériennes. On va essayer de ne pas marcher là, on va faire la mesure ici.
Une pompe à air fonctionnera tout au long de cette journée sur le terrain et permettra à l'analyseur de gaz d'indiquer les concentrations de CO2 sous la chambre. Pendant le préchauffage de l'analyseur, les premières informations mesurées in situ sont la température du sédiment, la vitesse du vent et la température de l'air, une information indispensable au calcul du flux de CO2. Posé. Le phare, il est bien au soleil? Ouais. Et bien, vous pas... Non, il y a un peu d'ombre, peut-être. Il faut mettre bien le phare là où il y a du rayonnement. Maximum de soleil. Bah. Un capteur, appelé un phare, renseigne sur l'énergie lumineuse que les végétaux reçoivent et qui rentre dans le processus de photosynthèse. Alors là, sous la chambre, on a isolé en fait une petite surface et un petit volume de sédiments. Et sous cette chambre, en fait, en fonction des processus biologiques et abiotiques qui vont se passer, par exemple la respiration, la photosynthèse, etc., en fait, on va avoir accumulation de CO2 ou alors stockage de CO2 dans les sédiments. Et en fait, c'est ce qu'on va mesurer avec notre analyseur de gaz infrarouge. Notre analyseur de gaz à infrarouge, sur une échelle de temps de 2 minutes 30 à 3 minutes, il va nous donner en fait la pression partielle en CO2. Donc sur 2 minutes 30 ou 3 minutes, ce qu'on va observer nous directement ici, c'est la variation en fait de cette pression partielle en CO2 sous la chambre. À partir de cette variation de PCO2 qui augmente ou diminue en fonction des processus qu'on isole sous cette chambre, à partir de cette variation donc de PCO2, sur notre échelle de temps donnée, connue, on va pouvoir calculer la pente en fait, qui va nous servir après à calculer notre flux de CO2 issu du sol. Et terminé. Attention, ça glisse. Voilà, faut pas marcher sur celui-là. Il y a mes filets. Pendant 2 années, Audrey va mesurer et analyser un ensemble de paramètres qui lui permettront de répondre aux questions qu'elle se pose. Quels sont les flux de CO2 issus des sédiments de la mangrove et de la rivière? Quels sont les facteurs responsables de la variabilité de ces flux? Quels sont les flux nets de CO2 issus de cet écosystème? Enfin, dans quelle mesure la mangrove est un puits pour le CO2 atmosphérique? On essaie d'améliorer les connaissances qu'il y a au niveau du cycle du carbone en mangrove et du coup pour ça on travaille à différentes interfaces. Donc là on travaille à l'interface sédiment-air et en fait on a tout l'autre aspect qui est l'interface eau-air et là on réalise le même type à peu près de mesure mais sur la rivière. Comment j'ai découvert la mangrove? En fait, j'ai eu l'occasion, durant mon stage de Master 2 que j'ai effectué à Toulouse, j'ai eu l'occasion de partir étudier les capacités de biorémédiation de la mangrove sur Mayotte. Et la première journée en mangrove, ça a été un peu la révélation de l'écosystème en fait, que j'aimais, sur lequel je voulais travailler, parce que justement, il y avait ce côté relativement sauvage, relativement hostile, relativement méconnu et finalement ça a vraiment été c'est révélation quoi. C'est voilà, je suis arrivée en mangrove, je savais pas sur quoi travailler en écosystème tropicaux, écosystème tempéré, écosystème aquatique ou terrestre. Je suis arrivée en mangrove, j'ai su que c'était là-dessus que je voulais travailler.
pour réussir à estimer et à améliorer un peu les bilans carbone qui sont réalisés au niveau de la mangrove, on étudie un certain nombre de paramètres. Sur la rivière, on va plus se concentrer sur la qualité physico-chimique des eaux, donc à savoir par exemple la température de l'eau, la turbidité, les matières totales en suspension, le carbone 13, qu'on étudie aussi d'ailleurs sur le sédiment, le carbone 13. On va aussi étudier le carbone organique dissous, le carbone organique particulaire, le carbone inorganique dissous. Qu'est-ce qu'on étudie d'autre ? La chlorophylla, bien sûr. L'alcalinité totale. Voilà. Après, que ce soit l'un ou l'autre, c'est aussi répétitif. Hein. Quand tu fais une semaine, allez, cette semaine, on fait que de la chloro. La semaine d'après, on fait que de la biomasse racinaire. Cette semaine, on va faire que de l'alcalinité. Cette semaine, on va faire que du carbone organique dissous. Sauf que bon, quand t'es en mangrove, ça c'est répétitif, mais t'es dehors, quoi. C'est un côté cool. Au centre IRD à Nouméa, à 1h30 de route de la mise à l'eau, les échantillons seront en partie étudiés dans la soirée, sinon stockés en fonction du type d'analyse prévue. Les données de la sonde et du PC sauvegardées avant le suivi du lendemain. Une nouvelle journée bien remplie à venir, participant à l'amélioration des connaissances sur le cycle du carbone en mangrove. Pour compléter les mesures réalisées par Audrey, une mangrove à Avicennia a été instrumentée en décembre 2011 par un dispositif de mesure de flux de CO2 en continu. Si certaines forêts de par le monde sont équipées de cet instrument, appelé un dispositif d'édicovariance, c'est la première fois qu'il est installé en mangrove. Pendant 2 jours, toujours dans la région de la Foix, une dizaine de membres des équipes scientifiques de l'IRD et de l'Université de Nouvelle-Calédonie ont participé à l'installation de cette structure. Nickel, laisse-le comme ça. La première fois que je me suis retrouvé dans une mangrove, j'étais seul, il pleuvait, il y avait des moustiques et je me suis dit c'est la première fois et la dernière fois que je mets les pieds dans une mangrove parce que c'est vraiment un environnement difficile d'accès, qui peut être stressant quand on ne le connaît pas bien. Et puis au fur et à mesure de mes travaux, je me suis mis à aimer cet écosystème, à voir l'importance qu'il avait pour les populations qui vivaient proche du littoral. Et puis, en étant scientifique, avoir l'intérêt qu'il y avait d'étudier la mangrove, puisque c'est un milieu tout à fait atypique, où se mélangent les eaux douces et les eaux salées, où on a de la végétation de type arbre, des processus très complexes. Et c'est un peu un laboratoire géochimique naturel. Ce dispositif est composé d'un mât installé au-dessus de la canopée, d'un anémomètre sonique qui mesure la direction du vent dans les 3 dimensions, d'un analyseur de gaz à infrarouge qui mesure les concentrations en CO2 et en eau de l'atmosphère, d'une centrale d'acquisition de données et enfin d'une alimentation électrique autonome. Faudra décaler ça pour cette instrumentation informe sur le sens et l'intensité du flux net de carbone issu de la zone à Avicennia. Mais elle permet aussi, de par sa capacité à effectuer des mesures à haute fréquence, d'étudier des variations à l'échelle journalière, saisonnière et annuelle. L'objectif est d'acquérir une année de données pour mieux comprendre l'écosystème mangrove et sa capacité de stockage de CO2. Avec 35 000 hectares de surface de mangrove
globalement préservée en Nouvelle-Calédonie, cette nouvelle étape dans la compréhension de son fonctionnement aura des applications sous d'autres latitudes, où la croissance démographique engendre une pression forte sur cet écosystème. Un écosystème si important, entre autres, pour la conservation des littoraux tropicaux. Yeah ! Allez ! Je décolle seul le long du mur. Ouais. Tu vas leur redonner, là, ils vont en mettre un.